qu'il en me l'a 4, sa relation avec Cynthia ne compte pas. Il n'en a pas vraiment été tendre avec Cynthia avec qui il aurait été en couple à l'époque de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Décidément, partout où il passe, il en fait des ravages. En effet, le jeune homme a démarré fort son séjour dans Moundir et les apprentis aventuriers 4. Entouré de ses ex Ilona et Natania, il cache à tout le monde sa relation avec Cynthia. Mais ce secret sera de courte durée et les problèmes ne font que commencer. D'ailleurs, il a fait des nouvelles révélations à ce sujet. C'est sur sa story Instagram dont Ilona a fait payer les infidélités a pris la parole. Tout d'abord, il tient à mettre les choses au clair. Je ne considère pas Cynthia comme un exemple. La vérité, c'est qu'elle et moi, on s'est fréquenté un mois et que sur ces 30 jours. Voilà la vérité, voilà ce qu'il s'est passé. Mais nous nous sommes vus 6 fois. Et quand je suis arrivé sur Moundir et les apprentis aventuriers, je tombe sur Natania. D'où le quiproquo avec Cynthia dans le premier épisode. La revoir m'a fait bizarre. Au final, je n'ai embrassé personne. Je n'ai trompé personne. Il n'en pas vraiment un couple avec Cynthia. Mais le meilleur ami de Sebi Daddy ne s'arrête pas là. En effet, il l'en poursuit. Je suis l'un des rares candidats à ne pas faire attention à mon image. Si ça plaît tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. À être moi-même. Certains candidats en font beaucoup à l'écran ou sur les réseaux sociaux pour avoir une belle image. Mais ils ne sont pas comme ceux-là dans la vraie vie. Je ne citerai pas de nom. En ce qui me concerne, je pense bien faire, je n'ai pas un mauvais fond. Après effectivement, parfois, j'ai été maladroit. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Pas sûr que les propos d'Ilan qui s'est montré proche de Mia Jasmine plaisent à Cynthia.